d'aise du public devant toutes les feintes, les astuces de Topka, la souplesse de Topka. Grillé, ah, Topka, et Pillard réussi. Entre de Gressing. Vous arrivez à temps quand même, voilà, un très bon but. Son deuxième but, et le Racing son troisième. 3-0 alors que l'on joue maintenant depuis 45 et 6, 51. 51. Remise en jeu par les Allemands. Un joueur du Racing boite, et le ballon, car il peut bien s'occuper de lui, est reparti là-bas à l'aile gauche du Racing. Attention, et Pillard. Pillard marque. Geste de dépit de Juskowiak. Pillard marque le quatrième but pour le Racing. C'est marrant que les pétards partent de plus en plus nombreux. Il doit y avoir des Brésiliens de Vasco de Gama qui s'amusent à leur manière. Nous en sommes à la 75e, 80e minute. Et le Racing mène. Nouveau but de Pillard, le troisième de Pillard et le quatrième du Racing. Coup de sifflet de M. Gigg, coup franc pour les Allemands contre le Racing en finale. Et le Racing contre-attaque. Le public est ravi de voir la saison se terminer ainsi. Très bon shoot de Sizoski et il y est. Et il y est. Voici le cinquième but du Racing sur un shoot de Sisoski. Ben, je crois que je n'aurai absolument pas à vous faire de commentaires. De toute façon, je n'aime pas tellement en faire à la fin de la partie du mois. Mais les gestes des joueurs du Racing que vous suivez sur votre écran se suffisent à eux-mêmes. Tout est fait avec beaucoup. Juskowiak qui lui à son tour part à l'attaque. Mais sans résultat car le Racing maintenant repart. Par Sisoski. Sisoski lance à Grillé. Grillé, profitant de Juskowiak, est absent. Centre et une tête magnifique de Topka. Et c'est le sixième but. Sixième but pour le Racing. Magnifique action. Juskowiak regrette peut-être maintenant d'être parti à l'attaque. Voilà le sixième but pour l'équipe du Racing contre l'équipe de Düsseldorf en finale du tournoi des champions, du tournoi de Paris.